Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bonne fête à tous les chrétiens. Je suis le général Franco. Aujourd'hui, ma vidéo, je ne vais même pas montrer les. Je ne vais même pas rigoler parce que j'ai reçu un peu des messages qui m'ont un peu frustré. Alors, je vais vous parler de deux gros malhonnêtes ici à Yaoundé qui frappent les jeunes pour avoir de l'argent, mais qui continuent à narguer ces jeunes-là en disant que c'est à cause des injures et tout le reste, des clashs, qu'ils ont tout cet argent. Mais avant, je voudrais partager ce message que j'ai reçu ce matin. Comme je reçois beaucoup de messages depuis, mais particulièrement ce message, je vais partager avec vous. On lit ça ensemble. Franco, je viens te parler ici et doucement. Arrête la jalousie sucreuse de diamant parce que là, tu es déjà en train de déranger. Ta propre vie te dépasse à portée, mais tu veux porter pour les autres. Si tu continues, vrai que je te mettrai mal à l'aise. Concentre-toi au niveau de Cabrel, Nandjib, Gros Caca et Zizou, la chèvre. Et si tu fais encore une vidéo où tu parles de Malors et de Coco de Diamant, tu vas me sentir. Passe bonne soirée. Je lis tel que la personne a envoyé. Vous voyez que même dans sa vidéo, il insulte Cabral Nandjib, il insulte Zizou et je ne sais pour quelle raison. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu les insultes? C'est-à-dire que toi-même tu es dans le game, mais tu refuses d'accepter qu'on insulte aussi tes gens. Parce que je suis loin de croire que ce sont effectivement ces artistes qui sont derrière, c'est le fanatisme. J'ai reçu plusieurs messages comme ça. Avant-hier, l'autre a dit, il est fan de Malors. Je regardais, c'est vrai, partager également ça avec vous. Comme je reçois trop de messages, j'ai fouillé, je ne sais plus où c'est. Ça doit être très loin. Il est fan de Malors depuis 10 ans. Il ne me permet pas d'écrire ce genre, de parler des trucs comme ça sur Malors. C'est le fanatisme. Alors, les gars, par exemple, cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, ça sera pour aider les jeunes. Et je vous invite à regarder en intégralité. Ce sera pour aider les jeunes. Il y a des vidéos qu'on fait pour le divertissement. Il y a des vidéos qu'on fait pour sensibiliser, pour aider les gens. Et moi, je ne parle pas des gens qui ont échoué dans leur vie. Si je parle de quelqu'un, c'est que la personne a réussi ou bien la personne est sur le point de réussir. C'est comme ça. Et on ne me paye pas pour faire quoi que ce soit. Je ne suis pas un monsieur corrompu. Je vous ai toujours dit ça depuis le début. Alors, je parlais ceci juste pour vous dire, vous calmer. Laissez le showbiz. Ou si vous n'êtes pas dans le showbiz, si vous êtes nouveau sur les réseaux sociaux, les gars, ne venez pas nous déranger. Ces propres artistes, quand je parle d'eux, ils savent ce qui se passe, ils savent ce que je fais. C'est pour ces raisons qu'ils ne se plaignent pas. Là, c'était juste une parenthèse. Parlons maintenant de ces gros, deux gros malhonnêtes qui viennent. Que depuis quelques jours, ils font des vidéos pour nous faire comprendre que ils font des grandes réalisations qu'ils font là, tout simplement parce qu'on a passé le temps à les clasher, à les insulter, à faire ci ou à faire ça. Ce qui est archi faux. Vous savez, nous sommes dans un pays où quand tu dis certaines vérités, ça peut te condamner. Mais je vous dis, depuis presque 3 ans que je suis sur Internet, je n'ai jamais reçu une convocation parce que je contrôle ce que je dis. Je n'entre pas dans la vie privée des gens. Je parle de ce qui nous retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, calmez vos nerfs. Je les ai écoutés, les deux particulièrement, que je préfère tel nom, vous les écoutez et vous allez savoir de qui je parle. Alors, vous savez, Internet est tellement large et c'est facile d'arnaquer les gens sur Internet. Moi, je parle, j'ai des preuves de toutes ces personnes. C'est pour ça que je dis que je ne parle pas de leur vie privée parce que si je les expose, les gars vont même fuir le pays. J'ai des plaintes contre beaucoup de personnes comme ça, avec des reçus. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui veulent passer sur ma page pour parler de leurs problèmes, parler des arnaques qu'ils ont subies et tout. J'ai dit, vous savez, les jeunes ne veulent plus travailler. Tout le monde veut être influenceur aujourd'hui. Donc les jeunes sont versés dehors comme ça. Ils veulent être aussi sur Internet. Parce qu'ils ont compris que Internet donne beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que les gars les arnaquent. Les gars les arnaquent.
Beaucoup de personnes m'appellent, me disent qu'ils ont été arnaqués par Coco de Diamant. Quand tu défends la Coco de Diamant, ils disent que ce n'est pas Coco de Diamant. Je passe par contre chaque montant à défendre Coco de Diamant, que ce n'est pas. Elles sont les fake, les faux profils que les gens ont créés pour arnaquer les gens. Alors, les gars font créer des formations. Oh, comment faire des ventes en ligne, comment faire des ceci, cela, comment devenir machin truc. Quand tu payes ton argent, ils font des formations de 100 000, 50 000. Si vous êtes peut-être 100 à payer 50 000, ça rapporte combien? Après, le gars vous balance les liens. Les liens, quand tu cliques sur ça, ça te renvoie encore sur Google. Que toi, tu vas aller taper sur Google et tu lis tout ça. Voilà. Donc, avant de continuer, je voudrais d'abord vous rappeler ceci, vous préciser ceci. Je ne parle pas dans l'ensemble. Il y a ceux qui sont vraiment sincères et sérieux, qui forment vraiment, qui sont honnêtes. Mais les deux que je parle, c'est des gros malhonnêtes. J'ai les plaintes comme ça venant de ces deux-là. Et vous savez, ils sont tellement populaires, ils sont connus, ils sont créés, ils sont avec moi ici à Yaoundé. Moi, je. Méfiez-vous, les jeunes. Moi, particulièrement, il y a des gens, j'ai vu certains venir écrire en commentaire que on abrutit, tous, nous sommes tous les influenceurs sont pareils parce qu'on abrutit les jeunes pour nos intérêts personnels. Tous les influenceurs ne sont pas les mêmes. Maman, je sais, c'est une dame qui écrit ça en commentaire. Parce que si j'étais comme les autres, je ne serais pas seulement au niveau où je suis. J'ai refusé l'arnaque dans ma vie. Quand tu es déjà populaire, tu peux te faire tellement d'argent. Je te rappelle, je vous rappelle que il y a des Bengis qui ont voulu, même peut-être quatre, qui ont voulu me confier leur chantier. C'est-à-dire qu'ils m'envoient l'argent, c'est moi qui pars payer, même l'entrepreneur payer, si, payer, payer. J'ai dit que, moi je ne connais rien en maçonnerie. Les gens qui ont voulu m'envoyer même l'argent pour que j'achète leur terrain. J'ai dit que je ne connais rien. Sans compter même d'autres qui ont créé des entreprises au Cameroun, ça ne marche pas bien. Il dit que Franco, on voit en toi un gars que si on te fait confiance, tu ne peux pas nous trahir. Pardon, je vais te nommer directeur de mon entreprise qui est à tel endroit. J'ai dit, je ne suis pas prêt. Je refuse. Parce que je ne voudrais pas me retrouver dans les problèmes. Moi, mon objectif, je vous ai dit depuis le début, ce n'est pas seulement l'argent. Mon père est mort heureux. Il n'était pas millionnaire, il n'était pas milliardaire. Tout ce que nous bagarrons pour avoir machin, tout ça, vous avez vu, on a enterré qui avec quoi? Il y a des maisons qu'on voit là même que les gars ont bagarré dans leur jeunesse, aller tuer même les gens, faire ceci, faire cela, pour construire. Quand ils meurent même, c'est hanté. Même leurs propres enfants ne peuvent pas habiter. Ça sert donc à quoi? C'est un peu comme ça que moi j'analyse la vie. Quand les gens viennent parler que oh, tu es jaloux de tel, si les gens pouvaient savoir comment moi je vois la vie. Je ne vois pas la vie comme d'autres personnes là. Le matériel pour moi, c'est un détail. Les gars, je vous dis une vérité. Alors, les gens viennent dire, Franco, vous trompez les jeunes. Pendant que les jeunes vous suivent, vous les anarquez, vous faites ceci, vous faites cela. Si tel était le cas, que s'il fallait clasher les gens, insulter, quand vous dites que c'est parce qu'on vous insulte, parce qu'on vous clashe, parce qu'on fait ceci, parce qu'on parle mal de vous, que vous êtes devenu ce que vous êtes. Moi, je dis c'est faux. Moi, je suis seulement là pour ouvrir les yeux des jeunes. Faites très attention de ça. Parce que quand tu as le franc parler, quand tu parles, on te fait, donc tu donnes comme impression que tu es un gars sérieux. Les gens viennent vers toi comme ça là. Et c'est comme ça que ces gars les arnaquent. Je ne peux pas compter par jour, les gars, par jour, le nombre de jeunes qui m'écrivent qu'ils veulent des pages Facebook monétisées. Vous connaissez, c'est quand le jeune t'écrit, il dit qu'il veut la page Facebook monétisée. Vous savez ce que ça veut, ça signifie. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il sait que quand il te contacte pour la page monétisée, c'est que s'il te donne ses 100 000, à partir du mois prochain, il commence à toucher son argent, même s'il ne crée pas de contenu. C'est à toi de lui dire la vérité. Or, contrairement des malhonnêtes, si j'étais comme de ces malhonnêtes-là, dès que tu me dis, donne-moi tes 100 000. Dès que tu me fais le dépôt, ou bien quand tu viens me voir, je crée la page dans maintenant et je t'explique que non, effectivement, il faut créer des contenus, il faut atteindre tel pour remplir les conditions de Facebook, de YouTube avant de toucher à l'argent. Et le jeune va se décourager. Ils sont nombreux comme ça. On les a arnaqués comme ça. On ne les dit pas la vérité au départ. Et même si tu les amènes, même si je te fais ça, même si tu m'amènes n'importe où, je vais te gagner. Parce qu'effectivement, j'ai créé ta page comme tu as dit. Et avant, quand j'ai fini de créer ta page, qui te dit la vérité. Moi, à la base, je t'ai dit une fois la vérité. Que ne crois pas que quand on crée une page, directement le mois qui suit, on gagne l'argent. Non. Ils sont nombreux comme ça. Et si je veux arnaquer, si je veux là que j'ai 1 million chaque fin du mois, en
en arnaquant les jeunes. Ils sont nombreux, les analphabètes, les gens qui ne connaissent rien sur le digital. Ils sont nombreux comme ça. Des vieux, comme des jeunes, comme des toutes catégories. Mais j'ai dit que ça ne sert à rien. Et c'est comme ça que ces gens-là passent leur temps à arnaquer ces jeunes. Il ne leur dit pas la vérité. Formation en marketing digital, formation en ceci. Tu suis la formation de A à Z même. Tu ne comprends rien. Il ne te dit rien de bon. Ils sont nombreux comme ça là. Vous comprenez, non? Donc, arrêtez de vouloir raconter des choses que Franco est ceci, Franco, tu es comme, tu fais ceci, tu fais cela. Jusqu'aujourd'hui, les gens de Kwa Bachembek là sont toujours derrière moi. Qu'avec l'audience que tu as, si tu avais, tu pouvais avoir machin, truc par mois, machin. J'ai dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas important pour moi. Moi, je ne vois pas ce que ça à quoi ça sert ces histoires-là dans la vie d'un jeune qui a la vie d'un jeune qui a que construire sa vie. Il ne voit pas à quoi ce qui il profite quoi de toutes vos histoires de jeu au hasard là. Rien. Rien. Mon objectif n'est pas seulement l'argent, 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 les amis. Non. Donc, quand je fais la vidéo sur un artiste, c'est parce que. Et par contre, ce que vous devez comprendre, quand je ferme la vidéo, je lance même l'artiste là. Beaucoup ne font pas ça parce qu'ils ont peur que. Beaucoup ne parlent pas de Franco. Parce que je vois les gens disent que Franco, tu parles tel, il ne va jamais parler. Il a peur de parler de moi parce qu'effectivement, s'il tente de parler de moi, dès que ses fans vont me découvrir, on risque de l'abandonner. Vous comprenez un peu le système, non? Mais moi, je n'ai pas parlé de peur. Je parle de toi. Si mes abonnés veulent même, ils partent tous te voir. Parce que moi, j'ai ma ligne éditoriale. Je sais que quelqu'un est abonné là parce qu'il aime ce que je fais. J'ai perdu ma première page avec plus de 250 000 abonnés. Ça fait un an, plus d'un an aujourd'hui. Facebook a bloqué. Les gens sont déjà désabonnés sur la page. C'est à 180 combien maintenant là. Mais j'ai créé une nouvelle page, la page sur laquelle vous me suivez là maintenant. Et vous continuez à me suivre. Je monte un peu. Et c'est ça la vie. La vie, c'est des escaliers, les amis. Ne courez pas. Et quand vous tombez, tapez la poussière sur vous, vous vous relevez, vous reprenez. J'ai perdu ma première page. D'autres ont perdu leur page, ils ont abandonné le game. Moi, j'ai perdu ma première page. Je suis rien repris à zéro. Doucement, doucement. Nous, voici, nous sommes aujourd'hui à 84 000 abonnés. Pensez que c'est rien. En moins d'un an. Sans community manager, sans quelqu'un là qui me dit que je vais bosser, machin. Tout simplement parce que vous aimez ce que je fais, vous m'aidez à partager mes travaux. C'est pour cette raison que je vous l'offre, les amis. La malhonnêteté, ça paye pour un temps, mais après là, le retour. Donc, tous ces gens qui viennent faire des vidéos pour vous narguer, pour vous narguer, ils ont exploité les jeunes, exploité les gens pour être où ils sont. Et vous font croire que c'est parce qu'on les clash, on les insulte qu'ils sont où ils sont. C'est faux. La malhonnêteté n'a pas les longues jambes. Tôt ou tard, ça va les rattraper. C'était le général Franco. Bonne fête encore à tous les chrétiens. Partagez la vidéo, les amis. Et si tu es nouveau, abonne-toi tout simplement. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.